Bonjour, Sophia Sadoc, je suis à la recherche d'un poste de consultant en affaires publiques. Sophia vit dans un quartier sensible de Seine-Saint-Denis. Titulaire d'un bac plus 5, cette Française d'origine algérienne cherche du travail depuis plusieurs mois. Mais pas question d'avoir recours au CV anonyme, elle préfère au contraire mettre en avant ses différences. J'estime que c'est un atout, parce que je peux apporter peut-être un autre regard, une autre vision, une autre expérience que d'autres personnes qui seront, entre guillemets, français de souche, n'auraient pas. C'est aussi la conviction de Saïd Amouche. Alors en 2008, quand il fonde cette association pour aider les jeunes diplômés des banlieues, il choisit la méthode du CV vidéo. L'idée qui nous est venue et qui est selon moi la plus évidente, c'est de montrer les individus plutôt que les cacher. À un moment donné, il faut faire comprendre que la diversité, c'est aussi la normalité. L'association a déjà réalisé près de 500 CV vidéo. Les candidats qui les ont utilisés ont été trois fois plus nombreux à décrocher des entretiens.